Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing diamond painting aujourd'hui avec la boutique Myth of Asia. Voilà, désolée si je prononce mal, mais bon, mon anglais est toujours approximatif. Hein. Donc voilà, j'ai choisi, voilà, je cherche mes mots. J'ai choisi un kit dans cette boutique, donc toujours en partenariat. Alors le choix était difficile, mais ils ont plein de belles choses. Je connaissais pas du tout cette boutique, mais c'est vrai que le choix était difficile. Il y a des kits de créateurs également, et donc il y avait vraiment beaucoup de choses. Et moi j'ai choisi donc un kit, bien sûr, que je vais vous montrer, mais avant je vous explique. Alors, quand vous voulez faire l'envoi, vous avez la possibilité de demander que votre envoi soit envoyé dans un tube cartonné. Bon, c'est payant par contre, mais au moins quand vous le recevez, le kit n'est pas abîmé dedans. Voilà, il ne risque pas d'être écrasé, écrabouillé. Donc j'avais payé, alors de mémoire, si je ne me trompe pas, si je me trompe, je vous remets le prix en bas. Pour cet envoi, j'ai payé 2,95 €. Voilà, parce que ça, c'était pas dans le partenariat. Je l'ai pris en plus justement pour voir ce que c'était et pour pouvoir vous en parler. Donc voilà, alors j'ai bien reçu, c'était super bien emballé, dans le plastique comme d'habitude. Il y avait de la mousse, des tubes de mousse autour du tube de carton, donc ça risquait pas d'être du tout écrasé. Ça a mis, alors ça s'est passé le 18 juillet, on est le 3 août aujourd'hui, et je l'ai reçu il y a 2-3 jours déjà, il y a 2 jours. Ouais, 2 jours, je crois. Donc voilà. Bon, ça a mis une petite quinzaine, comme d'hab. Hein, ça même un petit peu moins de 15 jours. Alors par contre, si vous habitez, alors si je me trompe pas, c'est les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Vous pouvez être livré le lendemain. Voilà. Il y a la livraison en 24 ou 48 heures. Je crois que c'est 24 heures. Donc si vous habitez dans ces pays là, vous recevez plus rapidement. Alors voilà, j'ai reçu, donc là j'ai tout déballé, hein, bien sûr. J'ai reçu mon kit dans un tube comme ça, cartonné. Voilà, bon, il y a juste le bout là un petit peu qui s'est barré, mais ça c'est pas grave. Alors par contre, c'est pas un tube pour le diamond painting, c'est un tube pour la peinture au numéro. Mais bon, ça on s'en fiche, hein. Ils font peut-être pour les deux, et puis bon, pour pas prendre des tubes diamond painting, tube, peinture au numéro, bon voilà, ça on s'en fiche. Hein. C'est pas, ma priorité ça, je m'en fous. Mais au moins, le kit est arrivé en bon état. Voilà. Alors, oups, ouais, je dis, là, il y a juste le bout qui... Mais ça, c'est parce que... Voilà. Hop. Et là-dedans. Alors, on va découvrir ce que j'ai choisi. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Alors, attendez, je vais le mettre par terre parce qu'il roule. Voilà. Alors, c'est un kit, c'est un 40-50 aujourd'hui. C'est un 40-50 en perles... Ah oui, c'est vrai, c'était des perles carrées. Donc ça, ça fait un bail que je n'ai plus fait de perles carrées, hein, mais bon. Donc c'est un 40-50 en perles carrées avec, alors dans les petits, il y a 2 sachets de perles, j'ai la petite feuille de route. Alors sur cette feuille de route, bah, vous avez je vais vous montrer après, vous avez la photo du kit, vous avez le nombre de couleurs, donc c'est 45 couleurs ici, avec les symboles, les numéros DMC. Et alors attendez, pourquoi il y en a un qui n'est pas coché? Ah, j'en vois un qui n'est pas coché. Ils ont été vérifiés. Et je vois qu'il y en a un qui n'a pas été... Ah si, si, il est coché, mais sur le côté. Donc c'est bon. On voit que ça a été vérifié à la main, puisque tous les nombres de sachets... Voyez, alors, hop, je ne vous montre pas l'image tout de suite. Là, les 1, 2, 3, 4, 5, les symboles, les références DMC. Ici, vous avez le nombre de sachets que vous avez dans votre kit. Et là, c'est le grammage de perles. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. Là, c'est le nombre de grammes pour les perles. Comme ça, si vous voulez vérifier, ben, vous avez la feuille pour vérifier. Ensuite, alors là, je ne pourrais pas vous la traduire. C'est écrit en... C'est du néerlandais, je crois, ou de l'allemand, je ne sais plus. Enfin bon, ça ressemble à l'allemand et le néerlandais. Mais je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est une boîte du Pays-Bas. Ouais, je crois que c'est ça. Il faudrait que je vérifie, puis que je vous le remets en dessous. C'est d'une société du Pays-Bas, normalement. Donc là, j'ai un courrier dedans, enfin un petit papier, mais c'est tout écrit en dans la langue de leur pays. Donc, je ne saurais pas vous dire ce qui est écrit. Pas du tout. Je vois qu'il y a un code promo dessus. Un code promo de 10%. Ça, on sait le lire. Et là, j'ai 15% extra corting. Je ne sais pas. C'est peut-être encore un... Ah oui, c'est encore un autre code promo avec 15%. Voilà. Bon, ça... Et là, bon, je n'ai pas fait... Si, j'ai fait de l'allemand, mais là, j'étais nulle de chez nulle. Alors, ensuite, j'ai donc 2 paquets de perles. Les perles sont en sachet. En sachet... pas en sachet. Oh, comment on dit? Comme ça. Ah bah mince, bon, enfin vous m'avez compris, c'est comme ça. Alors, je vais regarder en allumant si vous verrez mieux. Oh non, c'est encore pire. Voilà. Donc voilà les couleurs. Du rose. Il y a beaucoup de rouge, de rose, de bordeaux, de violet. Voilà. Un petit verre d'eau. Bien frais. En ce moment, c'est l'actualité, hein, l'eau fraîche. Ben moi, l'eau fraîche, je l'ai partout puisque je ne peux toujours pas me laver à l'eau chaude. Puisque ma chaudière est en panne. Donc, depuis vendredi. Ils sont venus hier, il y a une pièce qui est cassée, le truc qui fait la température, là la tige, elle est cassée, donc ils viennent me la changer cette semaine. Mais bon, en attendant, on n'a plus d'eau chaude. Donc pour la douche, c'est pas pratique. Au lavabo, ça va, on peut encore faire chauffer une bouilloire d'eau, et puis mettre dans le lavabo, mais à la douche, c'est pas possible. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de couleurs. Toutes dans les dominantes de rouge. C'est pas fini, hein, il y en a encore. Hein. Il est beau ce bleu-là. Ah, ça c'est le 310. Ah non, je croyais que c'était le 310, mais non. Il fait une de ces chaleurs dans ma pièce. Et il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y a 45 couleurs. Hein. Ah, voilà le 310. Voilà pour le premier paquet. Alors, attendez, je remets tout ça dedans. On rangera mieux après. Voilà. Et donc, le deuxième. Ah, je ne vous ai pas montré. Ben, tout le kit, je vous le montre après. Voilà, ça c'est un bleu marine. Vous voyez, il y a beaucoup de différents roses, rouges et couleurs dans les violets parmes. Beaucoup de roses différents. Ah, un petit jaune. Voilà. Un rouge bien pimpant. Encore du rose. Ah, du bleu. Ça change. Et pour finir, un rouge. Voilà. Voilà pour toutes les couleurs. Vous avez vu, il y en a beaucoup. Ce sont toutes des jolies couleurs. Hop, on remet tout là-dedans comme un peu à l'arrache. Je rangerai mieux après. Désolée pour le bruit. Alors, dedans, il y a un toolkit comme ceci. Bon, rien d'extraordinaire hein, pour le toolkit. Hop. Le petit plateau avec le bec verseur. J'aime pas beaucoup ça. Juste pour ça, je m'en sers seulement juste pour remplir les pots, par exemple. C'est tout. La petite glu. Alors la pince comme ça. Ça, c'est pas, c'est trop mou comme pince pour attraper, je trouve. Et un stylet, tout simple, pailleté. Il est pailleté, si, voilà, vous voyez. Donc, avec une pointe, et là, vous en mettez 3. Voilà. Donc, le toolkit est tout simple. J'aurais pensé avoir un toolkit un peu plus amélioré, mais bon. Et... Alors, je mets bien le plastique. J'enlève complètement pour bien le remettre. Alors, je vous ai dit 40, 50, 45 couleurs pour faire ce joli kit. Ce personnage haut en couleurs. Voilà, elle est très très belle. En photo, je vous mets la photo, on voit que les couleurs sont superbes. Là sur le kit, bon c'est vrai que ça se voit pas bien. Alors, niveau symbole, je vois qu'il y a du blanc sur du foncé. Donc ça va, ils sont visibles. Je vous montre. Voilà, vous voyez les symboles blancs. Alors ça fout peut-être, non, je pense. Non. Niveau col, ça va. Et pareil, les symboles pour le fond sont vraiment bien visibles. Hein. Désolée, ça reflète. Voilà. La toile est d'une bonne épaisseur, rien de Elle est un petit peu pailletée, oui, un peu pailletée. Il y a, sur le kit, vous retrouvez le nom de la compagnie, voilà. La référence du kit, bien sûr, la taille. SQ, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Et ensuite, vous retrouvez la page Facebook du site. Et ici, c'est ce que je vous disais, voilà. Donc, c'est bien néerlandais et allemand. Voilà. Quoi vous dire de plus que la boutique, si vous souhaitez passer commande sur leur site internet, ils vous offrent un code promo, un joli code promo de moins 20% sur votre commande. Donc avec le code promo en majuscule Diamond, je vous remarque ici en dessous, mais ne vous inquiétez pas, je vous remarque tout en barre d'infos pour que vous puissiez voir le site, voir également le kit que j'ai choisi. Je vous remets bien tous les liens nécessaires et surtout le code promo pour que vous puissiez en bénéficier si vous passez une commande chez eux. Alors, donc je vous ai dit, dans ce site il y a des kits de créateurs qui sont très jolis. Bon, moi, mon goût à moi, j'ai pas trouvé ce que je voulais dans les sites, dans les kits de créateurs, mais bon. Sinon, mais ils sont vraiment très très beaux. Hein. C'est parce que j'aimais pas je trouvais pas un beau dessin que moi j'aurais aimé, c'est tout. Mais sinon, ils sont nickel. Et il y a un grand choix également donc dans ce site. Après, comme ce sont des perles carrées. Là, je vous en reparlerai plus tard. Je ferai d'autres vidéos. Parce que celui-là, bah, je vais me le faire. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Parce que les perles carrées, vous savez très bien que si elles sont pas bien toutes de la même taille, il y a du décalage, quoi. Donc là, je ne peux pas le savoir. Pour l'instant, j'ai l'impression que les perles sont belles. Il n'y a pas de poussière dans les sachets. En première vue, hein, comme ça, mais je vous referai une vidéo en vous disant ce que j'en pense exactement. Voilà, donc j'essaierai de commencer, bon, malgré que j'ai encore deux grands à faire, mais j'essaierai de le commencer rapidement, même s'il est commencé, j'alternerai avec les autres. De toute façon, bon, c'est vrai qu'en ce moment je fais moins de DP, mais j'essaye de m'y remettre là un petit peu à la fois pour me changer un peu du tricot, de la broderie, voilà, j'essaye de me remettre dedans un petit peu. Donc je vous dirai ben, ce que je pense donc de ces perles, si tout est bien aligné, bien collé, que tout tient bien. On fera les vidéos là-dessus, voilà, soit en forme de vlog, ou à chaque fois je vous dis des vlogs, mais bon, à chaque fois je trouve pas le temps de faire des vlogs, mais je vais faire au mieux, vous le savez, hein, j'essaye toujours de faire pour que ça vous plaise. Alors voilà, pour aujourd'hui, donc je vous rappelle le nom de la boutique, Myth of Asia, si je prononce bien. Je vous rappelle le code promo qu'ils vous ont offert, donc c'est moins 20% avec le code Diamond. Voilà, je vous remets tout ça hein, à l'écran, barre d'infos, partout, partout, partout. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.